Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage! 8h25, on se retrouve, on fait juste un petit point et pour vous dire, c'était pas encore le moment de virer finalement. Enfin, sur les routages, ils me disent oui, mais là, au vu de ce qu'on a actuellement, pour moi, on peut pas encore virer. Parce que sur le routage, ils nous disent de se mettre 263. Ah oui, il m'a remis un routage, donc, bon, mais c'est à peu près pareil. 263, et là si je joue à 263, pour moi j'ai je suis pas bon quoi. Donc il faut attendre que le vent réel remonte un petit peu, enfin retourne un petit refuse un petit peu. Là il est actuellement à 67, il refuse au fur et à mesure, donc ça le fait hein. On n'est pas loin de la zone de virement. Et surtout la bonne nouvelle c'est que bah par la suite on va refaire du portant en fait. Je m'en suis rendu compte là, en y allant. On va refaire du portant. Regardez. Attendez. Pour l'instant encore du prêt. Mais. Elle est à 11h50, on est au portant. Et on retartine à 16 nœuds. Donc pas pour longtemps, parce qu'après c'est le vent qui tombe. Donc on ira un peu moins vite. Mais on sera sur des allures portantes. Et ça fait plaisir parce que putain, depuis le début, on n'en a pas fait beaucoup. Et donc ça c'est plutôt cool. Et donc bah, après on remonte. Est-ce que je peux avoir un ETA? Alors ETA sur l'arrivée. Le 9. Le 9 c'est quand? Jeudi. Cool. Le 9 dans l'après-midi en fait. Ça c'est cool. Et donc après on prendra la direction de mince, des Açores. Mais pour l'instant, on est encore en direction du nord. En fait là on est en train de passer une zone. On est en train de passer un centre. Attendez. Hop, on va cliquer là-dessus. Vous voyez là, il y a une zone là. Donc c'est un centre anticyclonique. Non, centre dépressionnaire, parce que oui, non. Sens inverse des aiguilles d'une montre, centre dépressionnaire. Et sens des aiguilles d'une montre, sens anticyclonique. Et comment je retiens? C'est parce que dans les records de l'Atlantique Nord, donc entre New York et le Cap Lizard, eh ben, les bateaux se mettent à l'avant de la dépression. Et le vent les remonte. Donc je retire comme ça. Ils se mettent à l'avant de la dépression avec le vent qui les remonte vers le Cap Lizard. Et du coup, c'est comme ça que je retiens. Et que devant, il y a de la mer plate et voilà. Donc là, on est en train de passer un centre. On est en train de jouer avec un centre dépressionnaire du coup. Même si nous, on le franchit pas, mais on en reste dans son. On reste dans son sud-ouest. Et du coup, on joue avec une petite transition là. Parce que là au milieu il n'y a pas de vent donc on essaye de pas y aller trop. Et du coup on joue avec la transition et on passe sur le côté. Hop là. Et après on reprend du vent de nord-est. On est comment actuellement? On a 62 degrés du vent réel. Donc ça y est, le vent est vraiment en train de tourner là. On est pile poil au bon moment. On va juste quitter, je vais refaire un routage et puis je reviens tout de suite. 8h51 sur cette nuit à Vendée-Arctique les Sables. On refait un petit point parce qu'en fait je me rends compte assez fort là que bah ce qui est affiché sur le routage et ce que je vis en vrai, c'est pas du tout la même chose. Enfin on est bien en bordure, mais j'ai l'impression qu'on est plus proche du centre. Le centre il a l'air là en fait. On voit les vents qui tournent comme ça, donc en fait, c'est normal qu'on se prenne pas tout de suite le. Alors que là, on est en train de passer à 38 degrés du vent réel.
Ouais, ça refuse quand même, donc ça c'est cool. 38, 39. Même comme ça, c'est compliqué, quoi. Donc on est proche du vent là, là il n'y a pas de problème, mais... Si je vire de bord là, on est d'accord que je repars dans la mauvaise direction, quoi. On va dire 40 fois 2, ça fait 80. 325 moins 80. Désolé, je prends le téléphone. Je suis une grosse quiche en matin. 325 moins 80. 245. On sera au 245 et lui voudrait que je sois au 269, c'est pas possible. Par contre, peut-être que virer de bord pour aller chercher vraiment tout de suite, je sais pas. Honnêtement, j'hésite entre ça et bah, rester sur ce bord-là et... Ouais, je suis encore plus repasser à 47 là. Et bah aller chercher cette bascule en fait, tout de suite. On est combien au classement? On va regarder un peu notre classement. 15e! Mais non! Oh, je suis en mai. 571 et 512 pour le premier. Ah, vamos! Ah, ça fait plaisir! Bon, après, je pense qu'il y a aussi des histoires de stratégie, mais ça fait plaisir quand même. C'est la remontada! Ah, puis le truc, j'aimerais bien aller prendre mon petit déj en fait, mais j'ose pas trop lâcher le bateau. Qu'est-ce que je fais? C'est en fait le vent va tourner en plus, donc on va se zoomer très fort dessus. Voir les vents qui vont s'afficher ici. Ouais, pour l'instant on a toujours ces vents là et ça va tourner. Il y aura une bascule et après on va être sur l'autre. Pardon. J'ai dû vous défoncer les oreilles. Je viens de donner un coup de main dans le micro. Enfin, le faire exprès. Ah, j'hésite. Je sais pas trop là. Ah, 36 degrés. 36. 36 degrés. 35. Est-ce qu'on sera en train de vivre la bascule là? 34? Oui, on est en train de vivre la bascule. 33, on dit la bascule. Du coup, on a dit 269. 269. Ouais, 32 degrés, on est en train de basculer. Hop, 269. Ah, attention, pour le virement de bord, il va falloir mettre la gîte. Là, c'est normal que rien soit réglé parce qu'on est trop près du vent. 32 degrés. Ah non, j'ai pas dit de mettre de l'autre côté tout de suite. De toute façon, on va se mettre à 40 degrés du vent de l'autre côté. Attention, pour le virement dans. Oh non, ça repart, non. Attention, pour le virement dans 5, 4, 3, 2, 1. Top, on y va. Voilà. 240. Honnêtement, je pense que c'est acceptable. On rentre le foil.
dans ce brouillard sur le jeu là. Ce que ça donne sur la carte, ça donne ça. Bon, bah, de toute façon. Maintenant, faut attendre la bascule. Faut attendre la bascule, même si j'ai un peu peur là. On va se mettre à 40 et on va se mettre en mode vent. Et après je vais aller manger et on verra ce que ça donne au retour. Hop, mode vent. Voilà, bah du coup ce qu'on va faire c'est que je vais aller prendre mon petit déj. De toute façon le vent devrait... ça va tourner petit à petit. Là il me disait que... avant que je me retrouve vraiment... au portant... Ouais, il me dit 130 de radio, c'est impossible. Mais avant que je me retrouve à... Ouais, le portant, ce serait pas avant 9h30, quoi. Donc on a encore un peu de marge. On va rester comme ça. Et puis bon, on se retrouve tout à l'heure. Pas 43 degrés du vent, par contre. On se retrouve tout à l'heure après mon petit déj. Voilà. Et du coup, bah, ce sera sûrement une journée à deux vidéos. Je trouve que ce sera déjà la deuxième vidéo là, mais je fais beaucoup là. Voilà, du coup, à tout à l'heure. 9h37 sur cette Vendée Articles et Sables. C'est pas franchement une réussite ce que j'ai fait tout à l'heure. Je rends vraiment compte que c'est pas franchement une réussite. Donc je pense honnêtement qu'on va revirer de bord. Pour aller plutôt gagner dans ce vent-là, en fait, hein. Clairement. On va aller chercher le vent portant qui est au-dessus. Donc, on va revirer de bord tout de suite. Donc, gîte. Hop. En plus, j'ai perdu une place en faisant ce que j'ai fait là. Je suis quasiment sûr que c'est pas une bonne idée. Hop. Et donc, du coup, on va se mettre à 40 degrés du vent, mais dans l'autre sens. Excusez-moi pour ce petit... Alors, du coup... c'est bon. On va pouvoir virer de bord. Dans 3, 2, 1. Top, on y va. Hop, 40 degrés, vu que ça règle tout le temps tout ça, c'est bon. Du coup, réglage, non, gîte, on met à qui? On sort le, on rentre le foil bâbord. Et du coup, après on regarde les réglages. Le numéro 1, du coup, trop reculé, il faut prendre de la drisse. Bordé à fond. Voilà. La chute du GV est trop fermée. On va choquer un peu d'écoute. Non, maintenant elle est trop choquée. Voilà. Là, on est bien. Et ensuite. Ah bah oui, non, on a que le numéro 1. Je suis con. Ah, voilà. Là, on est pas mal. Clac, on va pouvoir remonter par là. C'est parfait, on est à 10 nœuds 4. Un 10 nœuds 7 sur le fond.
On remonte. Voilà, alors que comme je vous disais, on a perdu une place, on est à la 16e position maintenant. Mais j'ai pas envie de me faire rattraper par lui, donc on va. On a reviré, on repart vers. Non, on va aller chercher ce vent portant là au-dessus là. Mais par contre, dès qu'on aura ce vent là, on pourra repartir un peu vers l'ouest. Voilà, et du coup, on est en mode vent. Et on va se quitter et on va. Moi, je vais continuer à surveiller le bateau de temps en temps. Et puis, bon, on se retrouve tout à l'heure. Je pense. Bon. Dès qu'il y a un événement qui se passe, quoi. Voilà, du coup, à tout à l'heure. 10h16 sur cette Vendée Arctique Les Sables. Il est temps de virer parce que là, on fait quasiment cap plein nord. Quasiment 354. Tout à l'heure, on était plus haut, mais. Et puis on avance plus, on est à 7 nœuds 5. On est en train de passer en fait le centre en fait. Tout simplement. Du coup, ouais, le ciel est complètement bouché, on voit pas le soleil. C'est. Ouais. On monte quoi, on monte dans le nord. Donc du coup, on va virer de bord. On va mettre. Ouais, bon, les réglages sont pas top. La quille au centre. On sort le foil. On peut commencer à rentrer celui-là. Au niveau de. Là, ça nous dit de faire du 278 après. 278. 278. 282. Juste, donc 278 jusqu'à 11h. Ok. 281. Est-ce que je ferais pas du 280 direct? Mais on va essayer du 280 direct. Donc bon, on va y aller. On est prêt. C'est bon. Allez. 2,4. Direction le 280. Hop. On va repasser la quille. Ah, j'étais trop loin, trop loin, trop loin, trop loin. Non, 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 pas plus loin que ça, toi. T'es fou. 2,80, ça passe? Oui, ça passe. Voilà, et voilà. Parfait. On a 44 degrés du vent, donc c'est nickel. Réglage. Oh là, il y a tellement de réglages à faire. Gêne numéro 1. Déjà, je pense qu'il y a de la drisse à reprendre. On va reprendre de la drisse déjà. Drisse de numéro 1 bordée. Ah non, il est trop avancé. Faut que je relâche la drisse, je suis con. Choqué. Pourquoi j'ai pas lu avant? Voilà. Génois, le haut de la voile est trop ouvert à essayer de tirer le barbeur vers le bas. Donc le barbeur vertical. Barbeur vertical, barbeur vertical, barbeur vertical, bordé. Voilà. Ah, maintenant il est trop. Voilà. Ensuite, la voile est trop plate, essayez de relâcher les coudes et de compenser avec l'autre barbeur. Donc on va relâcher un peu d'écoute. Choqué. Ouais, toi, il était à 100%. Et reprendre. Donc là, on va reprendre de l'horizontale. Voilà, là, on est pas mal. Ouais, les ponts sont crochets, c'est bien. Ensuite, l'AGV. Il faut relâcher de la bosse d'empointure. Alors qu'on a 43 degrés du vent, cap 279, c'est bien. Bosse d'empointure choquée. Ok. Troupe hâte, essayer de tirer les barbeurs vers le bas. Cune verticale bordée. Voilà. Ensuite, l'AGV est trop fermé, le Cunningham est trop pris. Cunningham, il est à 100%. Tu m'étonnes qu'il est trop pris. Creuse.
Le creux du génois est trop reculé, essayez de tendre à l'extérieur. Oh punaise, on prend de la vitesse directement, tout est à refaire quoi. Bordé. Voilà. Et trop peu à essayer de tirer les barbares vers le bas. Ouais, ils écoutent et normalement ils sont pas loin les barbeurs. Vertical, bordé. Voilà. Donc, ça mériterait peut-être un tout petit choqué d'écoute. À voir. Ah non, c'est pas ça que je vais faire. Non, bon, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Bon, on va à 6-9, c'est normal. Trop ouvert, essayer de tirer le barbare vers le bas. Comme toujours. Barbare vertical. Bah, il est à 100%, donc on peut pas faire plus. On a 7 nœuds 3, ça va. Ah, trop creux, essayer de tirer sur les coudes et de compenser avec l'angle barbare latéral. Écoute de numéro 1, bordé un tout petit peu. Voilà. 7 nœuds 2, 7 nœuds 3, c'est très bien. Et donc maintenant, on refait cap à l'ouest et sur le bon cap. Donc ça, c'est cool. On passe en mode compas. Et donc 280. Voilà, 280 en mode compas, c'est parfait. Là, je suis DGV, on va ouvrir un peu des coudes de grand voile. Elle est trop prise. Voilà. On a 6 nœuds 3. C'est parfait. Et bah, du coup, on va se quitter. Puis maintenant, on peut se dire, vu qu'on est sur le cap, on se retrouve. Et là, il est 10. J'ai dit qu'il était quelle heure? Il est 10h20, on se retrouve à 13h. Ouais, 13h, ce serait déjà très bien. Ouais, 13h, c'est bien. Du coup, à tout à l'heure. 13h24 sur cette Vendée Arctique Les Sables. J'ai lancé un petit routage. Enfin, là, actuellement, on est à 15 nœuds. Ça, c'est cool. On a 15 nœuds sous numéro 4, code 0, grand voile haute. Parfait. C'est nickel. Nickel. J'ai lancé un routage, on va regarder ça tout de suite. Le routage actuellement, il me dit de faire du 288, 289, 293, 298. Est-ce qu'on a un angle au vent précis? 125 125 125 125 128. Et 125, on va se mettre à 125 degrés du vent. Là on a 141 degrés du vent, donc on va remonter. Ça veut dire qu'on va un peu remonter. On va un petit peu remonter et on va se mettre à 125 degrés du vent. Alors qu'il y a moyen d'aller encore un peu plus vite, je pense. Hein. Cent trente-quatre, cent trente-trois, cent trente, cent vingt-six, cent vingt-cinq. Voilà. 17 nœuds. C'est bon ça. Voilà. On va rester à 125 degrés du vent tout l'après-midi. Du coup, 124, 125. Donc là, on va se mettre en mode vent. En mode vent à 125 degrés du vent. Voilà, parfait. Au classement, on est combien? On est 17ème. Ok, on s'est fait... Non, tout à l'heure, on est déjà à ça, je crois. 545, 542, 549. Ok, on est pas mal. Ah, et comme d'habitude, il va pas vouloir rester à 125. Attends. J'ai cliqué au moment où j'étais à 126. Ah non, si j'étais.
Non, mais... Ah non, c'est pas ça que je vais faire. Oui, non, ça en va. Là, je suis con. Qu'est-ce que je suis con, des fois? J'ai tort de rendre le feu au lieu d'abattre. Hop là, voilà. 125 degrés du vent. Oui, bon, 125, 124, quoi. Donc, c'est bon. On va faire les réglages. On a 17 nœuds. C'est trop bien. C'est trop bien. Du coup, les réglages, les réglages. Alors, faut d'abord que je mette ça. Là, le haut de la voile d'avant est trop ouvert. Essayez de tirer le barbeur vers le bas. Alors, les barbeurs, les barbeurs, les barbeurs. Donc, le barbeur vertical, on va le tirer vers le bas. Voilà. Le creux est trop reculé. Faut reprendre de la drisse. Bordé. Et voilà, on a tout fait disparaître, c'est nickel. À 16 nœuds, c'est bien. Et du coup, par contre, le code 0, le code 0, le code du code 0 est trop... J'arrive pas à lire. Choqué, essayez de border un petit peu. On va border un peu le code 0. Après, je suis pas sûr que ce soit vraiment la voile qui faille là. Par contre, elle est où l'écoute de code 0 là? Écoute de 4-0, bordé un peu. Voilà. Oui, c'est peut-être la voile. Ouais, ça, c'est pas mal. Sinon, je pense qu'on est sous une bonne voilure, là. Code 0, numéro 4, grand voile haute, c'est pas mal. Franchement, je pense que c'est pas trop mal. Donc, voilà. Bon, bah, c'est cool, hein, ça file. 125 degrés du vent, parfait. Bah, du coup, on va se quitter et on va se retrouver tout à l'heure, je pense, aux alentours de 15h30, 16h pour finir cette journée de navigation. Allez, à tout à l'heure. 13h06, pas 13h06, 16h06 sur heure française, mais du coup, 13h06 local et 14h06 UTC. On est actuellement à 13 nœuds, hein, à 126, 125 degrés du vent, ça change tout le temps. Il veut pas, pourquoi il veut pas me garder un angle au vent? L'angle au vent que je veux, quoi. Oh putain, et comme un con, j'abats au lieu de l'offer, quoi. Mais je suis con des fois. Hein. Voilà, 125 degrés du vent. C'est ça que je veux. Putain. Et il veut pas, hein. Et il veut pas. Donc là, d'accord, je vais abattre un peu. Que voilà, le routage me dit encore de rester à 125 jusqu'à ce soir au moins. Eh mais, j'étais... Hop là. Eh non mais, dès que... Ah, il veut pas. Il veut pas le 125. Je comprends pas pourquoi. Dans la réalité, je dirais que c'est peut-être parce qu'il a un peu... Il a un peu de... Il est un peu ardent, mais... Mais je savais pas que dans le jeu, ils étaient ardents, les bateaux. La voile d'avant est trop creuse. Essayez de tirer sur l'écoute, de compenser avec l'angle. Voilà. On va essayer de régler, et puis après, on essaiera de se remettre à 125. Après, 123, ça nous fait monter un peu plus nord. Hein, mais le truc, c'est qu'au-dessus, il y a un anticyclone. Donc, enfin, il y a une zone sans vent. Donc, il faut éviter d'y aller, d'aller trop dedans. Voilà, 120... Ouais, ça revient à 124, 125. On est d'accord, je suis... Ouais, c'est bon. Bon, c'est juste qu'il reste pas totalement 125, mais... On dit, c'est aussi les oscillations du vent qui font que ça peut bouger un peu, mais... Mais ça finit par revenir à 125. C'est ça qu'il faut. La voile d'avant est trop creuse. Essayez de tirer sur les... De relâcher... Essayez de relâcher jusqu'à ce que... Trop bordée. Ah, elle est trop bordée, d'accord. Écoute. Le numéro 4 choqué un peu. Du coup.
Ouais, maintenant il me dit qu'elle est... Ne... bordel, essayez de relâcher jusqu'à ce que... Attends. Essayez de tirer sur l'écoute et de compenser avec le barbeur. On va jouer avec les barbeurs. Je pense que c'est le barbeur horizontal qui veut. Essayez de tirer sur l'écoute latérale. Donc horizontal, ouais. Et là, il faut tirer. Attends. Latéral. Oui, bah. Tirer un peu sur l'écoute, ok. Ça, j'ai compris. Tirer sur l'écoute. Ah, bah voilà. Et. Est trop tendu. Essayer de soulager le barbeur vertical. Aborde un petit peu, voilà. Et barbeur vertical. Ils sont par là, les barbeurs. Barbeur vertical, choqué un peu. Essayez de tendre la Driss. Allez, Driss maintenant. Ah bah maintenant ça veut plus. Ok, bon bah c'est bon du coup. Et le code 0, il est bon. Essayez de tendre à Driss maintenant. Mais c'est pas possible. Alors, Driss 2 numéro 4, bordé. Allez. Ah ben. Ok, la Driss c'est bon, mais. Putain, ça arrête pas. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. La voile de Misane est trop plate. Essayez de relâcher l'écoute. De compenser avec l'angle barbeur latéral. Donc, écoute de. Écoute de numéro 4, choqué un petit peu. Ah bah on est bien là. Voilà, parfait. On va à 13 nœuds, donc c'est pas mal. On est plutôt pas mal. Ça file à 125 degrés du vent, donc c'est parfait. Et vous savez, on n'a plus le bug qu'on avait eu pendant la traversée du désert. Les bateaux ne volent plus. Et ça, c'est fait plaisir. Et le bateau, il est dans l'eau, quoi. Bon après c'est un foiler, hein. faut bien se rappeler que c'est un foiler. Bon, ça il a dit que le créateur a dit que ça serait corrigé dans Seiyuu numéro 3. On sait pas quand est-ce qu'il sortira, mais on sait qu'il y aura un Seiyuu numéro 3. Et ça l'eau qui se sépare là, ça sera corrigé. Parce que des fois même quand t'es bien dans l'eau, ça se sépare un peu en arrière. La vague d'étrave se sépare un peu en arrière. Trop en arrière en fait. Bon après là c'est le point contact, hein. En vrai, l'eau elle rentre à ta plat. Ouais. C'est le point de contact en vrai là. Parce qu'on est un peu cabré là. Légèrement cabré. Ah, là on est sous 4-0. Grand voile haute. Et numéro 4. Et tout va bien. On va regarder au niveau des infos. Combien de pourcents on est. 99 pour la grand voile, 99 pour le code, 89 pour les deux, 98 pour le code 0. Donc c'est pas mal. Mais ça j'espère qu'il corrigera aussi le code 0 qui passe à travers le outrigger, ce serait pas mal. Mais bon, je sais que dans les prochains Seiyuu, il y a aussi d'autres bateaux de prévu. Enfin, surtout un que j'attends moi avec impatience. Un multicoque, alors. Qu'est-ce que ce serait comme multicoque? Je croise vraiment les doigts pour que ce soit un ultime. Vraiment, j'aimerais trop que ce soit un ultime. Il y en a qui trouvent que l'ultime ne servirait pas à grand-chose. Mais moi aussi, pour faire des trophées Jules Verne. Vous imaginez juste des trophées Jules Verne sur Seiyuu. Le pied absolu. Le pied absolu. Ah bah de quoi me faire passer juste les dernières petites choses qui me manquent sur Seiyuu par rapport à Virtual Yata. Le fait que Virtual Yata ait des gros bateaux quoi. Des plus gros bateaux. Déjà quand l'Imoca est arrivé, ça m'a déjà fait passer un truc. Mais là, il y aurait les ultimes.
Voilà quoi. Ça me ferait passer énormément la déception. Enfin, la. Pas la déception parce que je suis pas triste, mais. Voilà, bon. Bon, du coup, on va se quitter et puis on va se refaire un petit point tout à l'heure. Bah. Là, il est 16h. On se refait un point à 18 ou 19h, je pense, un truc dans le genre. De toute façon, c'est 125 degrés du vent tout le temps là, donc il n'y a pas grand-chose à voir. Juste que le vent va refaiblir, je crois. On va regarder. Clac. Ouais, plus on monte, moins il y a de vent. C'est bien ce que j'avais vu. Ah, quoi qu'on a un petit peu accompagné, mais ouais, non, on va quand même s'approcher. Et après, pendant la nuit, 120 degrés là ce soir. Mais par contre, ouais, pendant la nuit, voilà, on rentre dans une zone. Ouais, encore 11 nœuds, ça va. Ah, on est accompagné par la zone devant. Ah, ouais. Parce que pendant un moment, j'avais regardé, on n'était pas trop accompagné. Et là, finalement, on est accompagné un peu par la zone devant. Par contre, demain, ouais. Demain matin. Enfin, demain, il n'y a plus d'air, quoi. C'est une journée dans pas grand-chose. Dans pas grand-chose. Là, ouais, 5 nœuds 16, ouais. Et un virement de bord à caler là. Et ensuite, ça repart dans un vent qui remonte. On fait un peu de près. Ouais, non, c'est pas du prêt, là, ce serait du bon. Ouais, prêt, bon plan. On sera à combien? Ouais, 96 degrés, ouais, c'est du bon plan. 96 degrés du vent, c'est du bon. Mais non, bah non, 96 degrés, c'est pas du bon plan. Qu'est-ce que je suis con des fois, putain. 96, c'est du large. Et je suis con des fois, hein. Non, mais c'est parce qu'en fait, je me fie juste. C'est juste parce que j'ai pas cliqué. Et donc quand je regarde comme ça, non, même quand je regarde comme ça, c'est pas bon. Enfin, quand je regarde comme ça, là je suis sur du travers. Boum. Ouais, oui, je suis sur, oui, non, je suis même sur du travers. Mais ouais, non, mais des fois, faut pas chercher, hein. Le pire, c'est que je le sais en plus. C'est pas que je connais pas mes allures, quoi. Je les connais, mes allures. Encore eux. Voilà, là on sera sur du très bon plan à 60. Là ils disent 89. Ah ouais. J'avais pas l'impression. Après, techniquement, traverser juste 90. Donc après 89, t'es déjà sur du très bon plan. Enfin, non, t'es sur du petit large. Si tu veux être précis. Ouais, t'es sur du petit large en fait. Et pourquoi t'arrêtes pas de charger là? Je t'ai pas demandé de charger à chaque fois. Oh là là. Casse-couille. Et donc, bah, on arriverait à la bouée demain soir, du coup. Pas demain soir, mais jeudi soir à 20h. Aux alentours de 20h. Ouais, c'est ça. Jeudi soir aux alentours de 20h. Ok. Donc, on a encore un peu de navigation quand même, hein. Avec le virement qui serait à Calais demain soir à 16h30, un truc dans le genre. Ah, bah du coup, on se quitte et on se retrouve tout à l'heure aux alentours de 18h-19h. Voilà. Du coup, à tout à l'heure. 18h07 sur cette Vendée-Arctic Lessab. Je me dis juste que j'ai oublié de clôturer parce que la dernière, ça devait être la dernière partie de cette journée de navigation. Donc voilà, je viens juste clôturer en fait. Et vous montrer, voilà, c'est joli. On avance à 15 nœuds, c'est cool. Si on est toujours à 125 degrés du vent, ça va pas bouger jusqu'à ce soir, donc y a rien d'autre à faire. Donc voilà, c'est coolos, c'est coolos. Ouais, y a 1300 mètres de fond là. Wouhou! Bon bah voilà, bah du coup c'est la fin de cette journée de navigation. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Utip ou Tipeee, les liens sont dans la description de la vidéo pour gagner une publicité ou une vidéo, ça ne coûte rien, ça importe quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria.
Et du coup, la prochaine journée commencera à 19h. Voilà. Du coup, ciao tout le monde. Ciao.